L'énergie vagabonde, c'est la force qui repose chez certains d'entre nous, au fond de notre cœur, et qui nous conduit à partir sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est une espèce de volonté permanente de se mettre en mouvement. Et l'énergie vagabonde, pourquoi est-ce que ce mouvement est énergétique? Parce qu'il permet d'aller chercher le matériau de son inspiration. Chez les écrivains qui n'ont pas beaucoup d'imagination, ce qui est mon cas, il faut le mouvement pour fournir un matériau d'écriture et un matériau d'imaginaire. C'est ce que Montaigne appelle l'exercitation, c'est-à-dire un exercice de l'excitation du corps, de l'esprit et de l'âme, afin d'aller moissonner sur la route, dans le mouvement, dans l'aventure et dans le déplacement, un certain nombre d'argiles, de matériaux et de sujets pour écrire un livre.